Nous sommes le 17 juin 2022. Bonjour à tous et bon réveil. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Votre matinale Actu Matin s'installe. Et vous, de même, fidèle au programme, on démarre par cette petite expression populaire. Qui vole un œuf volera un bœuf. Ce n'est pas toujours vérifié, mais l'acte de vol est là. Et certainement que vous avez dans votre environnement des exemples, vous les partagerez avec nous et vous nous direz si vous êtes parent ou voisin de quartier par appel ou par message au téléphone à l'heure du débat, comment vous gérez cette habitude qui s'installe chez votre enfant? Comment lui retirer ce mauvais comportement et lui inculquer les notions d'honnêteté pour qu'il les comprenne et les pratique à l'avenir? Au forum ce matin, eh bien, on débattra des enfants voleurs, nos petits voleurs de maison, de quartier ou encore d'école alors qu'ils ne manquent de rien. Pourquoi volent-ils? Une question que vous, parents, vous vous posez, les conseils, la bastonnade, les punitions n'arrêtent toujours pas les mains très agiles de votre enfant quand il s'agit de priver quelqu'un de son bien et parfois même de nier l'acte qu'il venait de poser. Tous les enfants ne sont pas sage, n'est-ce pas? Et le principe est qu'un enfant ne soit pas sage. Mais doit-il voler? Le débat s'ouvre après la page sport. Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Vous aurez votre midi journal comme à nos habitudes et en plateau pour la présentation des informations telles que traitées par la rédaction de Canal 3 Bénin. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Dans votre bulletin matinal, il sera question de cet atelier de consultation des acteurs du système éducatif en prélude au sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Les travaux se sont ouverts au Champ d'Oiseau de Cotonou et c'était hier. Les différents acteurs revisitent les avancées et puis les performances du Bénin. Ceci dans le but d'actualiser les données à présenter à la face du monde dans les tout prochains jours à ce sommet. Et puis du côté de la commune de Parakou, le salon Agri-Finance de l'association Agri-Biz s'est ouvert aussi. Et c'était hier, c'est la 8e édition de ce creuset de promotion du consommant local qui se tient cette année à la place Tabera. L'autre objectif est de créer un réseau relationnel entre les porteurs de projets agricoles et les établissements financiers. Nous aurons toutes les précisions avec vous, William Cliquant. Merci d'être là. La une des journaux.
La une des journaux ce matin, on va démarrer par le quotidien Fraternité qui parle de cet acte posé par une formation politique. Il s'agit du bloc républicain, financement public des partis politiques. Le bloc républicain donne le bon exemple. Le parti a déposé à la Cour des comptes ses comptes financiers de 2021, dépenses, mais suivi des instances compétentes. À cette règle de transparence, eh bien, le bloc républicain n'a pas dérogé. Le parti du cheval blanc cabré a hier, pour le compte de l'année 2021, déposé à la Cour des comptes ses comptes financiers. En clair, le BR s'est conformé à l'article 12 et suivant de la loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin. On y revient en fin d'édition dans notre revue de presse avec Narcisse Alossé. Baccalauréat, session de juin 2022. Les travaux sensibles achevés, le matériel lourd déployé. Les conseils du psychologue clinicien Senou Jean-Didier Hounkonou pour gérer le stress sont à découvrir en page 7 du journal. Et puis, inauguration d'infrastructures scolaires, la FESECAM Bénin dote l'école primaire publique de Saint-Maroux d'un module de 3 classes. Et puis, le journal nous parle également ce matin du lancement ce jour de la journée olympique 2022. Ce sera dans la commune de Djougou. C'est donc Djougou qui accueille l'événement. Le matinal. Pollution marine à Grand-Popo, des dragages de sable à Toguin-Pévi et du lac Aimé. Les députés inquiets, le gouvernement rassure. Le ministre José Tonato expose les mesures. Et puis, sécurité publique, de nouveaux recrutements à la police républicaine. Examen de fin d'année, les candidats au bac planche. Dès lundi, lancement officiel se fera au CEJE 1 de Ouidah. Examen de fin d'année. Tout est fin prêt pour le bac, écrit Le Progrès. 77 416 candidats sont attendus dans 133, voilà, 133 centres de composition dès lundi prochain. Et puis, la Nation, contrôle de l'action gouvernementale au Parlement, le dragage du lac Aimé bouclé avant fin 2022. En 1 de talent 2. Engagement et enseignement secondaire, technique et professionnel, place à l'adéquation formation-emploi. Le potentiel, exploitation sauvage et sans mesure compensatoire, voilà, de granit à Glasoué, la société dumping, symbole du malheur à Tiol. Le journal nous parle de ce blocage, hein, du blocage des voies. Les populations préparent la fronde contre l'entreprise chinoise. Les quatre vérités. Projet de construction en BOT d'une centrale thermique à cycle combiné de 41 MW à Mariagleta. Le ministre de l'Énergie et Genesis Énergie signent la convention de concession. Matin libre. Dragage de sable du lac Aimé et pollution des eaux marines. José Tonato apaise les inquiétudes des députés. Il était à l'Assemblée nationale. Et puis, présidence, série d'audience et de concertation. Talon, un peu de place au moins pour Rongkwe. Rongkwe, c'est bien sûr le chef de file de l'opposition. L'économiste, apurement des dettes de l'État, de nouvelles modalités de paiement, des rappels des travailleurs. Entretien avec la ministre Hadidjatou Matisse, la dématérialisation est le socle de la réduction de la corruption. Et puis, Nord-Sud quotidien, rappel des travailleurs, voici les modalités de paiement. Initiative commune Amless des enfants, Boyko reçoit 2 meilleurs prix. Et on va finir avec le journal Le Soleil Bénin, mise en œuvre des réformes économiques sous la rupture. Moody's maintient sa note sur le Bénin. Voilà ce qu'on pourrait retenir. Les gros titres de la presse ce matin. On va retrouver Narcisse Alossé en fin d'édition dans la revue de presse, le mini-journal de la rédaction, en intégralité avec William Clicquant.
Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif pour contre-attaquer le volet. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Le Bénin se prépare pour sa participation au sommet mondial sur la transformation de l'éducation. C'est pour présenter un projet sans reproche et qui reflète les réalités actuelles et les efforts du gouvernement qu'un atelier préparatoire de consultation a été organisé avec les acteurs du système éducatif hier. La session dirigée par le groupe technique de travail s'est déroulée au Champ d'Oiseau de Cotonou. On retrouve Ali Moumouni, Rebaza Lideou et Rachidi Soubérou. Les 28 et 29 juin prochains, le Bénin prendra part à un rendez-vous sur l'éducation à Paris. C'est une rencontre préparatoire du sommet mondial sur la transformation de l'éducation en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. L'objectif assigné à ce sommet est de mobiliser les autorités nationales, les partenaires au développement et le public dans l'action en faveur de la transformation de l'éducation d'ici 2030. En d'autres termes, il s'agit de maximiser l'engagement des gouvernements, du public et de placer l'éducation en tête de l'agenda politique et public mondial dans une perspective de créer la solidarité autour de cet important secteur. Au plan national, le gouvernement affûte déjà les armes pour répondre aux exigences de ce sommet. Le groupe technique de travail mis sur pied s'est déjà lancé sur le chantier du dialogue avec les différents acteurs du secteur éducatif béninois. Nous apprécions l'excellente idée du comité technique de préparation de recourir au groupe local éducation qui est effectivement un groupe assez représentatif des différents acteurs et partenaires de l'éducation. Des assises de ce jour, il est donc attendu que les illustres membres du groupe local éducation que vous êtes vous vous prononciez sur les différents documents préparés par le comité technique et qui vont constituer le dossier du Bénin au pré-sommet de Paris. Plus précisément, l'objectif de cet atelier consiste à enrichir le projet de note stratégique des 5 thématiques retenues par le Bénin. Il s'agit de l'école inclusive, équitable, sûre et saine, enseignant, enseignement et profession enseignante, apprentissage et compétences pour la vie, le travail et le développement, apprentissage et transformation numérique, ainsi que le financement de l'éducation. Le gouvernement du Bénin, par anticipation, avait déjà retenu dans son plan national intégré de riposte à la COVID-19 le défi de réinventer le système éducation à partir du développement et du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage. La préparation et la participation du Bénin au pré-sommet et au sommet mondial sur la transformation de l'éducation est pour nous une occasion de relever ce défi, de mettre à plat les grandes questions qui agitent aujourd'hui l'apprentissage en milieu scolaire et universitaire. Après le pré-sommet de Paris, il est prévu une consultation plus large qui permettra d'avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes aux engagements du Bénin pour le sommet de New York en septembre 2022. 700 416 candidats, dont 32 044 filles, vont à l'assaut de leur premier diplôme universitaire dès lundi prochain. Les épreuves écrites du baccalauréat 2022 se déroulent donc sur toute l'étendue du territoire dans 133 centres. Une séance de travail s'est donc déroulée à la faveur de cet examen à la direction de l'Office du baccalauréat avec le ministre en charge de l'enseignement secondaire et la ministre de l'enseignement supérieur. Les autorités se sont imprégnées du niveau de préparation de cet examen national. On va retrouver Assiongbon Kanyi Assiongbon pour le point de cette rencontre. C'est à un exercice devenu routinier mais indispensable que se livrent ici les autorités en charge de l'enseignement.
une séance de travail pour ensemble évaluer le niveau des préparatifs du baccalauréat, session de juin 2022. Occasion pour le directeur de l'office du baccalauréat de présenter le tableau. Les compositions écrites du baccalauréat, session de juin 2022, démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133 centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,66%. Malgré cette diminution constante du nombre de candidats, les effectifs des séries de l'enseignement technique ne font que croître. Une réelle satisfaction pour les réformes amorcées dans le secteur. En nœuds mathématiques et techniques, en 2020, il y avait 34 candidats. En 2021, 25. Et cette année, nous avons 23 candidats. Il y a une certaine baisse. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de construction mécanique, F1. 174 candidats en 2020. 181 candidats en 2021 et 192 candidats cette année. En électronique, c'est-à-dire F2, nous avons aussi une montée, c'est-à-dire un accroissement des candidats qui va jusqu'à 113 candidats cette année. En électronique, nous avons 1738 candidats, alors que l'année dernière, c'était 1409 candidats. En F4, génie civil, nous avons 1711 candidats, alors que l'année dernière, c'était à 1499. Toujours selon le directeur de l'Office du baccalauréat, le matériel lourd est déployé sur le terrain par l'armée. Les chefs-centres reçoivent déjà leurs dernières instructions. Les candidats et les surveillants sont déjà en possession de leur convocation et le matériel sensible est en cours d'acheminement. Le dernier réglage, c'est le matériel sensible. Et quand on parle de matériel sensible, c'est les cantines. Et personnellement, je suis vraiment rassuré. Je voudrais donc vous dire félicitations. Félicitations à toute votre équipe, Monsieur le Dant. Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que Monsieur le ministre des Enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. Il faut préciser que sur les 77 416 candidats de cette année, il y a 32 044 filles, soit plus de 41%. Et on va souhaiter bonne préparation à ces candidats. Des syndicats de conducteurs de taxi, moto et des ONG de Cotonou et Abomey-Calavi bénéficient de casques homologués, 1000 au total. Ce don, fruit de la coopération entre le Bénin et le Maroc, vise à préserver la vie des motocyclistes en proie aux accidents de circulation. La remise officielle a été faite par le Centre national de sécurité routière, CNSR, à l'annexe d'Abomey-Calavi ce jeudi. On retrouve les temps forts dans ce reportage. Un casque, c'est bien. Un casque homologué, c'est encore plus sûr. Des casques sûrs, un moyen efficace de protection des vies des motocyclistes. Le don de cet accessoire homologué vient du Royaume du Maroc par le biais de son partenariat avec le Centre national de sécurité routière, CNSR, au Bénin. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'est une intense activité. Notre coopération avec le Bénin ne s'arrête pas à ce niveau-là. La réussite de cette opération nous encourage à aller de l'avant. Et le Maroc est disposé à accompagner encore davantage le Bénin
le ministère des Infrastructures et le Centre national de la sécurité routière pour l'octroi d'autres casques dans le cadre de programmes qu'on pourra étudier dans les jours qui viennent. Je lance officiellement cette phase déconcentrée de remise des 1000 casques offerts par le Royaume du Maroc à notre pays aux utilisateurs. 10 syndicats de conducteurs de taxi-moto de Cotonou et à Bomey-Calavi, plusieurs organisations non gouvernementales et des associations d'étudiants ouvrent le bal de cette série de remises de ces casques homologués. Je vous demanderai d'en faire un bon usage et de saisir l'opportunité pour continuer la sensibilisation. C'est une occasion pour nous de les remercier très très chaleureusement. Nous sommes vraiment contents. Nous avions ciblé les villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents que nous enregistrons tous les jours. Vous aviez la ville d'Aboumé-Calavi, vous aviez la ville de Cotonou, vous avez la ville de Port-Novo, vous avez la ville de Boïcon, la ville de Djougou, la ville de Parakou, la ville de Lokossa. Voilà, du point de vue indicateur statistique, ceux dont nous sommes obligés de commencer par eux. Les autres vont revenir. Et donc, notre objectif, c'était d'aider les conducteurs de taxi moto à travers leurs représentants à ce qu'ils publient la bonne nouvelle qu'il est important et essentiel qu'on puisse porter de casque avant de se mettre sur la route. Un suivi rigoureux est assuré dans le processus de dotation de ces casques homologués aux différentes couches des populations ciblées. Direction Parakou maintenant pour la 8e édition du Salon Agri-Finance qui a démarré depuis hier. C'est un salon agricole et financier organisé par l'association Agribiz Booster. La cérémonie ayant consacré le lancement officiel a eu lieu à la place Tabira de Parakou en présence des acteurs du monde agricole, des responsables de structures financières et des autorités politico-administratives. L'objectif de cet événement qui se tient aujourd'hui et également demain samedi est de créer un réseau relationnel entre les porteurs de projets agricoles et les établissements financiers. Jacques Degbé, Ibrahim Bakounouré. Développement et financement des chaînes de valeurs agricoles, outils et leçons, c'est le thème de ce 8e salon Agri-Finance qui se tient ici à la place Tabira de Parakou. Un salon qui vise à mettre en relation les porteurs de projets agricoles et les établissements financiers avec pour finalité de booster la production agricole au Bénin. L'opportunité de se faire connaître, de s'informer sur les autres acteurs actifs dans la chaîne de valeur agricole auxquels ils s'intéressent, de nouer des partenariats pouvant les aider à réaliser leurs objectifs et surtout communiquer autour de leurs résultats à travers la mise en lumière des success stories de leurs bénéficiaires. Ces objectifs sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement et le plan stratégique de développement du secteur agricole, de même que le plan de développement agricole du pôle 4. Leur réalisation concourt à l'atteinte des objectifs du PAG et à ceux du développement durable. Trois jours durant, producteurs, transformateurs, entrepreneurs agricoles ou encore responsables de structures financières, ces acteurs du monde agricole se retrouvent pour créer un réseau relationnel porteur d'espoir pour le secteur de l'agriculture au Bénin. Au menu de cet événement, deux grands panels de discussion animés par des experts du domaine, des expositions de produits agricoles locaux, des compétitions de plans d'affaires, des masterclass et bien d'autres activités. Aujourd'hui, l'enjeu est de créer des conditions favorables à l'amélioration et la compétitivité des systèmes d'exploitation agricole et la création de petites et moyennes entreprises le long des différentes chaînes de valeurs agricoles. Les panels de discussion portent sur deux thèmes. Les défis de l'eau face au changement climatique dans la production maraîchère au Nord-Bénin et la question du financement et d'accès dans le secteur de l'agribusiness. Quelques expériences reçues dans la chaîne de valeurs Soudia et Anacad. Et vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui au Bénin, c'est la question d'adaptation de ces crédits-là
aux campagnes agricoles. Mais ici, nous avons l'assurance que, à travers ce panel, à travers ces échanges que nous avons eus là, qu'on pourra mettre en place des crédits appropriés et des crédits adaptés avec des taux vraiment abordables aux producteurs et surtout les producteurs maraîchers. La cérémonie de lancement a pris fin par des visiteurs de stand. Cette 8e édition du Salon Agri-Finance, organisée par l'association Agribiz Booster, est soutenue par un parterre de partenaires techniques et financiers, dont SNV, JASA, DEDRAS ONG ou encore Plan International Bénin. À l'école maintenant, offrir une même chance à tous les enfants du Bénin en leur assurant une éducation équitable, c'est ce qui justifie un don d'un module de 3 classes entièrement équipé par la FECAM Bénin à l'école primaire publique de Semarou, c'est dans la commune de Niki. La cérémonie officielle de remise a connu la présence des autorités comme le préfet du Borgou, Djibril Maman Cissé, et le maire de la commune de Niki. On va retrouver Paracou Ulrich Abalo et Socrate Adantone pour le reportage. Un bâtiment flambant neuf au profit des écoliers et instituteurs de l'école primaire publique Gori Semarou dans la commune de Niki. Il s'agit d'un module de 3 classes avec bureaux et magasins entièrement équipés, dont de la FECAM Bénin. Créée en 1977, cette institution s'est hissée au rang de leader dans la microfinance et elle a opté pour les œuvres sociales depuis 2015. Ce geste ne vient donc que confirmer cet engagement combien noble et salutaire. La FECAM Bénin, leader de la microfinance depuis 1977, s'est inscrit dans le développement socio-économique à la base en investissant dans le domaine de l'éducation et de la santé. Cette année 2022, le réseau des FECAM a identifié l'école primaire publique Gori Semarou de Niki qui bénéficie d'un module. Ce module de 3 classes vient régler un problème de précarité auquel étaient confrontés les acteurs de l'école, reconnaissent unanimement les bénéficiaires, des écoliers à leurs parents, en passant par les instituteurs et les cadres de la direction départementale des enseignements maternels et primaires, tous décernent un satisfait à la structure donatrice et promettent en faire un usage judicieux. Je me réjouis de ce don et je suis convaincu que cette nouvelle infrastructure contribuera de façon significative à améliorer la qualité et l'accès à l'éducation de base. Nous vous promettons d'en faire un bon usage et surtout de bien travailler et réussir tous. La cérémonie officielle de remise de ce don, déroulée ce mercredi 15 juin, a connu la présence du maire de Niki et du préfet du département du Borgou. Ces derniers apprécient la démarche de la FECAM Bénin à sa juste valeur. Selon les autorités, l'amélioration des conditions d'apprentissage et par ricochet des rendements est la conséquence directe qui pourrait découler de ce geste. Niki est très honoré de bénéficier d'un bâtiment flambant neuf et entièrement équipé et digne d'une structure comme la FECAM Bénin. Ceci cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, dont l'ambition est de voir scolariser tous les enfants en âge de l'être, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles. D'une valeur de 27 455 671 francs CFA, le nouveau bâtiment de l'EPP Gori Semarou est réceptionné en prélude à l'Assemblée générale ordinaire de la FECAM Bénin. Le premier responsable de la structure de microfinance la plus ancienne du Bénin a été à cette occasion décoré par les populations bénéficiaires en raison des nombreuses œuvres sociales de la FECAM Bénin. Ulrich Abalo depuis Niki. Le décret sur la régularisation du bruit au Bénin a été actualisé par le gouvernement. Les nouvelles dispositions suscitent réactions chez les gérants d'activités génératrices de revenus et devant émettre du bruit. Ils sont bien conscients de la réglementation et de cette nécessité de régularisation bien sûr, mais ils implorent allègement. On va les retrouver dans ce reportage. Plus personne n'a le droit d'émettre du bruit au-delà de 70 décibels à l'intérieur des édifices et 60 décibels dans les zones agglomérées.
Par ces nouvelles dispositions mettant à jour la mesure de réglementation de l'émission du bruit au Bénin, le gouvernement vise à réguler la pollution sonore. Les causes sont claires, les plaintes sont nombreuses et les acteurs les comprennent. Les voisins, ceux qui peut-être sont résidents chez eux ou bien ils sont indisposés, le bruit de nos machines les gêne. Mais nous sommes obligés de faire avec. Beaucoup se plaignent, mais l'État a jugé bon aussi de mettre les autres dans leur jargon, de se reposer un temps soit peu avant de pouvoir reprendre leur boulot. Donc il est normal que nous acceptions cela à l'État. C'est un bon décret, parce que sachant bien que la pollution sonore crée beaucoup de dégâts du côté de la santé, surtout de la population. Voilà, donc ce qui fait que nous avons juste tout de suite opté pour la décision du gouvernement. Ces exigences ne consolident qu'une habitude pour certains qui respectent déjà ces normes depuis toujours avec le décret d'août 2001 portant réglementation du bruit. On avait déjà l'habitude de respecter cette réglementation, donc on ajuste et continue dans le même sens, c'est ça. L'interdiction de certaines heures de travail, 13h à 15h et de 22h à 6h pour les jours ouvrables et 20h à 10h pour les jours de repos, n'est pas sans conséquence sur certaines activités professionnelles menées. Parfois, nous sentons que c'est un blocage pour nous, puisque parfois il y a des délais de livraison qui nous pressent sur le terrain ou deux chantiers en cours ne nous permettraient plus d'accéder à 2h, 2h30 de repos. Quand il y a des commandes, nous sommes obligés de revoir nos copies autrement ou d'augmenter des personnels pour se faire gagner du temps que de chercher à faire avec l'effectif qu'on a au début. Dans notre secteur d'activité, la pression est déjà à un certain niveau. Cette nouvelle réglementation en rajoute. Je prie donc le gouvernement de nous alléger la tâche pour nous permettre de souffler. L'application effective de cette nouvelle réglementation est le seul gage pour les artisans d'échapper à la répression prévue pour démarrer dans quelques mois. Bonne concentration aux candidats au bac. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi. Très bon week-end à vous également. Reposez-vous bien. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, le journal des sports avec Ali Moumouni qui s'installe. Et juste après, notre forum de discussion. Ce matin, on parle fait de société avec les débatteurs et vous au téléphone. Il sera question des enfants voleurs, les petits voleurs de maison, de quartier ou encore d'école alors qu'ils ne manquent de rien. Pourquoi volent-ils et comment faire pour donc leur étirer ce mauvais comportement et leur inculquer les notions d'honnêteté pour ceux qui comprennent et qui les pratiquent. Voilà, ce sont autant de questions auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses ce matin. Restez avec nous, les sports. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Hier, en plateau, dans le journal des sports, eh bien, on parlait de la fin du championnat béninois. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Tanzanie, où la saison est également terminée de ce côté. Nous étions le mercredi 15 juin 2022 et c'est Young African Sport Club qui est sacré champion et remporte, je dirais, la 23e édition ou bien le 23e titre. De quoi on est deux? Oui, le 23e titre. Voilà. De cette équipe Young
Boys Sports Club de la Tanzanie. Et quand vous entendez bien sûr des pareils chiffres, vous pensez directement à quelque chose de sérieux. Eh bien, ça l'est. Les images que je vous propose bien en dit autant le public, l'identité, la ferveur chrétienne, vous le voyez sur les images. Eh bien, tout un ensemble qui donne envie de pratiquer du football et vivement que nous en arrivons là, ici au Bénin. Young Boys, donc, à l'issue de cette dernière journée, s'était imposé à son adversaire, Coastal Union, sur le score de 3 buts à 0. Oui. Et Christian, voilà, vous avez vu ces images. Oui, les images de célébration. De célébration. De supporters. De supporters, oui. La ferveur, le public et tout ce qu'il y a autour. Vous voyez aussi l'image du trophée, de pareils événements, je dirais, tout ce qui a été concocté autour du championnat tanzanien. Voilà, pour que la fête soit belle. Ça nous manque ici. Énormément. Surtout notre championnat. C'est vrai que, bon, on a constaté un engouement autour, les déplacements de supporters au stade, mais la célébration, l'accompagnement des joueurs, ça manque un peu. Oui, ça manque beaucoup. Oui, ils ont essayé de faire une sorte de clapping ovation, ou entre autres avec des salutations données également pour le club champion lors de la dernière journée. Mais c'est toujours, je dirais, insuffisant parce qu'il en reste énormément à faire. Pour voilà, donner la beauté, ressortir la beauté de cette discipline-là, du football et puis voilà, du sport en général. Et donc permettre aux différents acteurs de profiter, notamment les joueurs, d'en profiter comme cela se doit. Christian. Voilà. On fait un tour du côté du Ghana. Oui. On parle football toujours. À présent, pour parler du tournoi qualificatif de l'UFOAB des moins de 17 ans, la troisième et dernière journée démarre aujourd'hui avec le groupe A où seulement une rencontre est au programme. Le Ghana et le Togo s'affrontent pour le deuxième et dernier billet qualificatif dans cette poule à 3. Le classement se présente donc comme suit. C'est donc le Nigeria qui est leader dans ce groupe avec 6 points après 2 victoires face au Ghana, bien sûr, et puis face au Togo. Le Ghana s'en suit donc avec 0 point et le Togo également qui compte 0 point, tous deux avec des goals à verrage de moins 2. Et donc vont devoir voilà, batailler dur ce soir pour s'offrir le billet qualificatif pour la prochaine étape de cette compétition. Le groupe, dans le groupe B, on aura donc demain, samedi 18 juin 2022, deux affiches. Le Niger qui sera face au Bénin, aux écureuils Cadet. Rencontre prévue pour 16h. Puis l'autre rencontre, c'est bien sûr entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà, la Côte d'Ivoire qui est donc deuxième, juste devant le Bénin au niveau du classement général. Le Bénin, donc ce sera donc, je dirais, un duel à distance entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui vont essayer donc de leur côté chacun de s'offrir le billet qualificatif. Le Burkina Faso est déjà qualifié avec 6 points victorieux donc face au Niger et au Bénin. Vont également affronter les Ivoiriens pour s'offrir peut-être se conforter dans leur position de leader, ou encore autre chose qui peut arriver, la défaite face aux Ivoiriens qui cherchent à coup sûr la qualification pour la prochaine étape. Christian. Voilà, les infos pêle-mêle. Oui, quelques infos pêle-mêle. Après 2 années à la tête du club égyptien d'Al Ahly, Pitso Mosimane, vous le connaissez bien, c'est bien sûr le technicien sud-africain, a démissionné en début de semaine. Élu meilleur entraîneur il y a quelques années, il a remporté 6 titres avec le club au cours de sa fonction. De l'exercice de sa fonction, bien sûr. 2 Ligues des Champions, Coupe CAF en 2020 et en 2021. Une Coupe d'Égypte en 2020, une fois champion d'Égypte en 2020 également. 2 Super Coupes de la CAF et même dans les rangs des supporters d'Al Ahly. Dans les rangs des supporters d'Al Ahly, les avis divergent quant à sa performance à la tête de l'équipe. Le palmarès du coach sud-africain le précède, et si on tient compte de ses réalisations avec les membres de descendance de l'Afrique du Sud, aujourd'hui le club égyptien est à l'œuvre pour remplacer Pitso Mosimane, et déjà il a reçu plusieurs propositions. Certainement que le nom du prochain entraîneur de Al Ahly sera connu d'ici la semaine prochaine. Christian, on a parlé d'un entraîneur d'un club égyptien, on va passer maintenant à l'équipe nationale. Voilà. L'information est tombée hier. Ehab Galal n'est plus le sélectionneur des Pharaons. C'est ce qu'a annoncé la Fédération égyptienne de football, qui poursuit que l'ancien international égyptien sera donc remplacé par un étranger. Ehab Galal vient d'expérimenter un passage très court à la tête
de l'équipe nationale de son pays. Nommé en avril dernier en remplacement de Carlos Queiroz, l'ancien entraîneur de Pyramide FC n'a pas pu mieux faire que son prédécesseur qui a échoué lors des barrages de la Coupe du Monde 2022 face au Sénégal. Elhab Galal, lui, est limogé pour les mauvais résultats enregistrés récemment, notamment la défaite 2-0 face à l'Éthiopie et également la défaite 4-1 contre la Corée du Sud. Christian, voilà pour ce qui concerne quelques informations pêle-mêle à retenir pour ce vendredi. Voilà, et vous suivrez pour nous et de très près le mercato, hein, on court à ce moment. Bien et vous sûr, au plan national journée, et voilà. Puis au plan international également. Surtout en Europe. Ce qui concerne majoritairement les joueurs africains. Voilà. Merci beaucoup, Ali Moumouli. C'était l'Esport avec vous. Très bonne journée du vendredi. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Le lundi prochain, on retrouvera la rédaction Sport de Canal 3 Bénin avec Hakim Essiedou ou Cédi. Allez, Actu Matin se poursuit. Le grand rendez-vous du vendredi, c'est bien sûr le forum de discussion. Et ce matin, on parlera des enfants, comme vous savez, je vous le disais, hein, tous les enfants ne sont pas sages. Il y en a qui sont quand même très bien, mais d'autres qui ont des mains très agiles quand il s'agit de priver quelqu'un de son bien. On parlera ce matin des enfants voleurs. Vous avez envie de faire connaître vos produits ou services? Vous voulez avoir plus d'opportunités pour faire accroître vos revenus? Vous voulez renforcer votre présence dans l'écosystème béninois? Rejoignez-nous du 16 au 18 juin 2022 à la place Tabira de Parakou pour participer au Salon agricole et financier AgriFinance 2022. Oui, le Salon AgriFinance revient en force cette année avec AgriBiz Booster en partenariat avec SNV Bénin, Plan International Bénin, Tedras ONG et ATDA 4. Programme des expositions, des rencontres B2B, des débats autour des thèmes relatifs au financement, des masterclass sur la communication digitale et les principes de bonne gestion financière. Entrée libre et gratuite. Infoline 97 60 33 30 ou le 53 22 08 53. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif pour contre-attaquer le bon... Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02. 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com
Vous avez envie de faire connaître vos produits ou services? Vous voulez avoir plus d'opportunités pour faire accroître vos revenus? Vous voulez renforcer votre présence dans l'écosystème béninois? Rejoignez-nous du 16 au 18 juin 2022 à la place Tabira de Parakou pour participer au salon agricole et financier AgriFinance 2022. Oui, le salon AgriFinance revient en force cette année avec AgriBiz Booster en partenariat avec SNV Bénin, Plan International Bénin, Tedras ONG et ATDA 4. Au programme des expositions, des rencontres B2B, des débats autour des thèmes relatifs au financement, des masterclass sur la communication digitale et les principes de bonne gestion financière. Entrée libre et gratuite. Infoline 97 60 33 30 ou le 53 22 08 53. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif pour contre-attaque de nouveau. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Allez, 7h50 minutes. Si vous nous rejoignez, bien vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin qui émet depuis Cotonou et l'émission Anon Actu Matin avec en plateau l'ensemble des débatteurs. Bonjour à vous, Nagui Balagui. Bonjour Christian Dandéian, bonjour à tous. Bienvenue. Herman Aniambosu, bonjour. Bonjour Christian Dandéian, bonjour. Hola Jobi. Délé. Ali. Non, Ali. C'est mieux comme ça. Hola Jobi, bonjour. Bonjour, coucou Christian. Voilà, c'est merci ça. Beaucoup. Ali Khonou. Voilà. Allez, notre sujet, nous l'aurons tout à l'heure. On va profiter de l'ouverture du forum pour adresser nos condoléances à notre collègue animateur de cette rubrique, je dirais le forum de discussion sur Actu Matin, présentateur également de la une des journaux, Wahab Ali Para, qui dans la journée d'hier a perdu sa chère et tendre maman, Nagui Balaoui. Oui, c'est difficile. C'est compliqué de pareilles circonstances, je ne sais pas quoi dire. Moi, j'ai essayé d'imaginer un peu à quel point ça peut faire mal. C'est vrai que je n'ai pas encore cette expérience-là, je n'ai pas encore fait cette expérience-là. Et j'espère que ça ne viendra pas, ça ne viendra pas de sitôt. Ouais. J'ai essayé, comme je le disais hier, d'imaginer à quel point ça peut... Ça peut être difficile à gérer tout ça, mais je vois un peu également la personnalité de Wahab. Voilà, je me dis qu'il a beaucoup plus d'atouts que moi pour gérer ce genre de situation. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et il a tout notre soutien. Oui, oui, un petit mot. Oui, des mots de condoléances, particulièrement à Wahab et à toute sa famille. C'est vrai que c'est des moments très difficiles et donc on va rester en union de prière avec lui et que tout se passe pour le mieux, que l'âme de sa maman repose en paix. Ali. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire, prier, rester en union de prière avec lui et l'inviter aussi à être fort. Et on le connaît bien, Wahab, on sait qu'il peut gérer des pareilles situations. Voilà.
Moment difficile, très difficile, c'est assez difficile à supporter. J'ai perdu mon père il y a quelques années, mais la douleur est toujours là. Moi, je lui souhaite encore longue vie. Et pour ce qui est arrivé à Arab, je pense qu'il faut lui souhaiter les condoléances, malgré toute sa force et tout. Le moment va venir où il va craquer. On sera là sans doute pour le consoler. Oui, déjà le mercredi, moi, je l'ai vu à l'hôpital, hein, quand il allait dans tous les sens, il venait d'acheter des ordonnances et bien d'autres. Bon, malheureusement, la vieille n'a pas survécu. Allez, beaucoup de courage à toi, cher frère. Allez, on va revenir à notre sujet de ce matin. J'ai vu un avion avec vous. Vous l'avez fabriqué ce matin, Herman. C'est bon. C'est la nostalgie. C'est l'avion qu'on fabriquait quand on était en couple. J'aime le faire comme ça. Quand ça me permet de rappeler les vieux souvenirs. Et, ça, et si vous voulez, ça me permet de rappeler les souvenirs de l'arsène que nous étions pour le père et mère. Sauf qu'avant, 10 francs. En notre temps, 10 francs avaient de la valeur. Ouais. Aujourd'hui, c'est 100 francs, 200 francs qui ont de la valeur. Et donc, c'était plus facile pour nous. C'était plus facile pour nous. C'est 500 000 francs. De déplacer quand on vous commande, on revient à la maison, on dépose les 10 francs là ou les 25 francs là. Au bout d'un temps, on déplace un peu. Et maman perd son attention et après on vient chercher pour aller acheter du yogourt de corps. Ça c'est le vol. C'est du savoir-faire. Alors, puisque nous avons parlé de vol, on veut parler de vol ce matin. Vous avez eu l'inspiration de fabriquer un avion parce que les avions, ça vole, un avion en papier. Ça vole vraiment, oui, ça c'est vrai. Allez, on va parler des enfants qui volent. Le vol des enfants. Cher monsieur, j'ai une petite question. Devrait-on associer le vol chez l'enfant à quelque chose de mal, Nagui Balagu? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de là où l'enfant est né. Oui. De là où l'enfant est né. Expliquez-vous. S'il est né en Afrique ou au Bénin. Ah, c'est grave, c'est un drame. Il mérite... correction. Mais s'il est né outre-Atlantique, s'il est né en Europe, aux États-Unis, là-bas, il a des problèmes comportementaux. Ok. Mais si c'est ici... C'est du vol. C'est un boulot. C'est un voleur, il faut le punir. Non. Là-bas, c'est des troubles comportementaux. Il faut voir un psychologue, il faut voir un psychiatre, etc. Mais ici, mes deux camps. Mes deux camps vont gagner. J'ai vécu une expérience où les propres parents, hein, ce sont ses propres parents, hein, parce qu'il paraît que l'enfant a volé 5000 francs. Il avait quel âge? Entre 11 ans, 12 ans. 5 000 francs. Donc on l'a attaché, on lui a attaché les pieds, les mains. On l'a chicoté proprement. Et des déchirures, dans les déchirures qu'il a eu au dos à cause de la chicote, là, etc. On a écrasé du piment. Aïe, aïe, aïe. Qu'on a mis dedans. Donc il fallait, ça dit que c'est... Un châtiment corporel voilà, excessif. Il fallait le sanctionner d'une telle manière qu'il puisse s'en souvenir durablement pour ne plus recommencer. Bon, en fait, vous savez, ce que nous sommes, c'est ça que nous transmettons à nos enfants. Moi, je n'ai pas... Quand j'ai vu les parents faire ça, je n'ai pas été surpris que leur enfant vole. Parce que, vous voyez, le niveau d'intelligence qui permet de penser que c'est en fouettant un enfant, c'est en infligeant une telle punition à l'enfant qu'il ne volera plus. Vous comprenez tout de suite que ce ne sont pas des gens qui savent vraiment comment s'y prendre avec un enfant. Plusieurs raisons peuvent amener un enfant à présenter ce genre de problème. C'est vrai que c'est un problème. Oui. C'est un problème, mais la différence ou le plus important, c'est comment on gère ça. Comment on gère ça? Déjà, vous voyez, l'enfant, celui parmi nous qui n'a jamais piqué 100 francs, 50 francs de ses parents, je crois que on va se compter au bout des doigts. Donc, sinon, moi, je n'ai jamais piqué. Non, Emmanuel a démontré comment il faisait. Lui. Donc, bon, pas lui. Je pense que si un enfant ne fait pas ça, il faut s'en inquiéter.
Si vous avez un enfant normal, normalement né, bien né, qui ne vous brûle pas une fois, deux fois dans votre vie, c'est qu'il faut, le parent doit s'en inquiéter. Maintenant, si on définit le vol juridiquement comme étant la soustraction fraudeuse de la chose d'autrui, est-ce que le père et la mère sont autrui pour l'enfant? Ça, c'est une interrogation. Je ne dis pas de faire une dissertation ici. Parce que suivant que nous sommes en dissertation ou en philosophie, autrui n'a pas la même définition. Autrui, c'est autre chose en philosophie. Autrui, c'est autre chose en dissertation. En droit. Alors, ici, lorsque, par exemple, l'enfant vole son père et sa mère, quelle méthode utiliser pour pouvoir comment réagir à ce comportement? Est-ce qu'on peut considérer un enfant voleur dès lors qu'il a volé une autre personne, ou bien dès lors qu'il touche, dès lors qu'il déplace, comme je l'ai dit dès le départ, le bien de ses parents? Il y a même des enfants qui vous volent intelligemment. Il va chez la vendeuse de divers, il prend, vous lui commandez du spaghetti, ici, ça. Il revient vous dire que, bon, damolo, tiens, du okunde ou. Parce qu'il vous ramène 500 francs, alors qu'il devait vous ramener 700 francs. Oui. Bien, au lieu de 600 francs. Et donc, tiens, il est à Maïboa. Donc, les 100 francs qui restent là, il passe derrière pour aller récupérer. Et vous le voyez avec du soin en main. Vous connaissez le soin. Il achète du yovo de corps et il mange. Massa. Bon, cet enfant-là, vous direz qu'il a volé. Ou bien, je m'interroge. Je ne dis pas que c'est des choses. Mais bon, de quel vol parle-t-on, justement? On vous écoute. Moi, je suis même d'accord que les gens disent, par exemple, qu'un enfant qui ne fait pas de pareil, ne dit pas à ses parents, voilà, qu'il faut se poser des questions. Vous en avez fait, vous? Dribbler? Oui. Ah, suffisamment. Mais ça dépend aussi. D'accord. De la salle, de la fleur. Non. Ce que je voudrais dire, ça dépend aussi du cas. En fait, dans quelles conditions on dribble les parents? Est-ce que c'est nécessairement pour voler ou bien, par exemple, pour aller jouer au ballon? Bon, ça dépend. Parce que moi, par exemple, je disais tous les mercredis soir que j'ai TD, mais c'était pour aller jouer au ballon. Oui. Donc, vous voyez ça, il y a plusieurs façons de dribbler les parents. Et dans ça aussi, n'oubliez pas les amateurs de baby foot aussi. La PS également, la console. Ouais. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de dribbler les parents. Pas nécessairement pour voler de l'argent et tout ça. Maintenant, Nagui parlait tout à l'heure de ses parents qui ont fouetté, qui ont tapé l'enfant jusqu'à ce qu'ils ont même, au point où ils ont mis du piment écrasé dans la déchirure, voilà, et occasionné par ces... Ça, c'est une torture. Voilà. J'estime qu'il n'y a que... Si c'est peut-être... cet événement s'est déroulé récemment, je peux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, avec l'éducation et tout ce qui est la modernisation, on comprend et puis, voilà, beaucoup de choses. Comment il faut vraiment éduquer les enfants. On en a parlé ici, il y a un moment, par rapport à l'éducation des enfants. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant, comme tu en fais, c'est... de la culture, de la tradition de nos parents, et pas le passé. C'était, je dirais, la formule vraiment adéquate, parce que nous, on a vu nos parents nous taper de cette façon, taper nos grands frères aussi de cette façon. Donc, je crois que ça dépend aussi de l'époque par rapport à la formule de sanctions que les parents infligent aux enfants. Voilà. Vous êtes une mère, Zakiat Latoudi. Est-ce que on devrait parler de vol quand votre enfant vous soutire quelque chose frauduleusement ou quand c'est chez le voisin qu'il va commettre son forfait, l'acte? C'est le vol, c'est le vol. Que ce soit à la maison ou ailleurs, c'est le vol. Et souvent à l'école, quand il rentre de l'école avec ardoise d'autrui ou la règle d'autrui, des choses comme ça. Parfois, ce n'est pas qu'il a volé. Peut-être qu'il a prêté chez l'ami ou il avait besoin d'une règle, il a pris la règle de l'ami. C'est tout le temps lui qui et prête. qu'il n'a pas retourné à l'ami. Quelquefois aussi, c'est un vol carrément. Parce que soit il n'a pas retrouvé sa règle, il ne sait pas qui a pris. Et puis, il vole la règle d'autrui, il ramène à la maison. Les parents qui sont attentifs et qui remarquent ça, il y en a qui demandent de retourner aux propriétaires à l'école parce qu'il y a souvent les noms des enfants qui sont inscrits dessus. Maintenant... tel que Herman l'a expliqué, on dépose que l'enfant soutire ou alors que on l'a commandé, il va acheter, il y a la monnaie qui est restée là-bas. Le vol intelligent. Non, ça, c'est un détournement. Ou détournement. En fait, quelle que soit la façon dont ça se fait ou comment on peut apprécier ça, ça reste quand même un vol parce que ça ne vous appartient pas. Mais même si ça appartient à vos parents, ce n'est pas à vous. Mais c'est quand même pas à vous. Hein? Il faut demander. Et donc, qu'on appelle ça trouble du comportement ou qu'on appelle ça vol, ça reste quand même un problème, ça reste un trouble. Après, c'est comment on arrive à
gérer arracher, ça, voilà. À lui arracher ce comportement ou bien à lui faire oublier ce comportement. Parce que si l'enfant prend l'habitude d'avoir ce genre de comportement avec ses propres parents, qu'il commence à faire la même chose dehors, c'est vite arrivé. Mm. Donc, il faut trouver le moyen maintenant pour qu'empêcher l'enfant de continuer à se comporter de la sorte. Et c'est autour de la stratégie ou de la technique à mettre en place déjà pour faire comprendre à l'enfant que ce n'est pas normal de se comporter comme ça. C'est autour de ça qu'il y a problème. Parce qu'ailleurs, on fera suivre par un psychologue, un psychopédagogue, etc. Comprendre. On parlera, il y en a même qui... Parfois, on parle même de kleptomanie. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas que la personne est forcément dans le besoin de la chose, mais il y a ce comportement ou ce sentiment de pouvoir prendre la chose d'autrui systématiquement, sans même être dans le besoin. Donc, on fera suivre par des spécialistes qui vont vraiment apprécier et surtout amener la personne à ne plus se comporter comme ça. Mais moi, je pense que ce soit à la maison ou dehors, ce n'est pas bon. C'est alors, mauvais. Alors, nous allons chercher pourquoi l'enfant vole. Justement, oui, avant de répondre à ma question, je voulais dire, en réalité, nous, on peut définir, mais la question de, sur la définition, est-ce un vol ou pas, ce que nous pensons, je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que l'enfant pense, parce que c'est sur ça qu'il faut agir. Est-ce que l'enfant considère qu'il vole? Parce que si vous ne savez pas vous y prendre, vous allez donner l'impression à l'enfant qu'il a un voleur. Vous allez penser que l'enfant vole, mais l'enfant est convaincu qu'il ne vole pas. Et tant qu'il est convaincu qu'il ne vole pas, vous ne pouvez pas agir sur ce comportement-là. Donc, il faut déjà identifier, il faut pouvoir se demander comment il appréhende ça, comment il conçoit ça. Oui. L'enfant, par exemple, peut considérer que ce qui appartient à son père et sa mère lui appartient. Et que vous allez poursuivre, pas en train vous de allez poursuivre dans et... votre développement. On va prendre le tout premier intervenant de ce matin. Bonjour. Bonjour. Allô? Il est parti? Non, il est là. Bonjour. Monsieur Adanega. Monsieur Marcel Kokou. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous portons à merveille. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Oui, bonjour. Vous nous recevez? Oui, Kokou Arsène Medevoyon. Oui, justement, on vous a reconnu. Vous nous recevez bien? Okay. Je salue le plateau, je salue le bon épisode. Mes condoléances à mon ami Wahab. Condoléances. Je viens de l'appeler d'ailleurs. Merci. Vous savez, quand on parle de vol, et vous demandez comment réagir à ce comportement, alors c'est un comportement, c'est une pratique qui ne doit pas être acceptée dans la société. Un enfant qui vole. Il n'y a pas de petit vol. Le vol, c'est le vol. Il n'y a pas de petit vol. Et nous voyons, nous constatons que c'est à l'école souvent que la formation de vol, les enfants se forment au vol. Puisque ce qu'on ne peut pas apprendre à l'enfant à la maison, l'enfant apprend immédiatement parallèlement à ce qu'il apprend à l'école. Mmh. Et j'ai remarqué que quand on envoie l'enfant acheter quelque chose, vous allez constater qu'on revient à la maison dire que bon, et la dame n'a pas la monnaie, et souvent les parents oublient la monnaie. Ça dépend du type de parent. Et quand ils oublient rapidement, on passe à côté, on prend l'argent là-bas et on va dans ses préoccupations avec le reste de l'argent. Mmh. Donc, on peut décourager cette pratique, on peut décourager d'une manière ou d'une autre cette pratique, puisque c'est le petit voleur d'aujourd'hui qui devient le grand détourneur de télé publique. Est-ce que vous voyez? Donc, nous n'allons pas accepter, c'est-à-dire, en Europe, on parle de psychiatres, psychologues, et tout ça là. Chez nous, ce qu'on interdit dans les écoles, et on demande aux professeurs de ne plus frapper les enfants là, le châtiment corporel, moi je dis que ça doit revenir. Un enfant qui vole à l'école, et ça dit, vous, vous,
parlez uniquement, vous parlez seulement sans châtiment corporel à un Africain béninois, ah, c'est dangereux. Parce que, non, bon, non, un couéa, et d'un débois, bon, d'accord, ma chambre au monde est haut, c'est fini. Ma chambre au monde est haut. Oui, il faut lui donner des conseils. C'est mieux l'enfant, que. L'enfant, on doit punir l'enfant. On doit punir. Parce que même à la maison, quand ton enfant vole à la maison et tu le laisses, alors là, finalement, la maison que tu as achetée, la maison dans laquelle l'enfant va habiter, l'enfant viendra vendre, l'enfant va vendre cette maison après. Quelle éducation tu donnes à l'enfant? On peut punir l'enfant sans avoir à le donc, taper. Nous sommes obligés de revenir, nous sommes couronnés, nous sommes obligés de discuter avec les parlementaires. Ils vont chercher des lois pour revenir encore sur ça. On allait attendre la page du châtiment corporel. Merci chez beaucoup. Nous. Merci beaucoup. Coucou Arsène Belewayo, je vous redonne la parole. Nagui Balaoui. Oui, donc je disais tantôt que ça dépend de la manière dont l'enfant appréhende ça. Oui. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est pour ça que, parce que vous voyez, c'est pour ça que moi je pense que le châtiment corporel ne doit pas être systématique. Mm-hmm. Ce n'est pas la première solution. Oui. On peut peut-être en arriver à lui faire peur, à être un peu plus rigoureux, etc. Parce que ça dépend. Est-ce que l'enfant le fait une fois en passant? Est-ce que il le fait régulièrement? Et dans quelles conditions il l'a fait, etc. Vous voyez? Il y a de petites choses. En fait, parfois, nous exagérons. Parce qu'il ne faut pas. Les réactions excessives entraînent des conséquences négatives. Vous voyez? Parfois, il y a que nous appréhendons la situation avec beaucoup d'alarmisme. Ça dit que. Si toi-même, en tant que parent, tu n'arrives pas réellement à appréhender la situation, je crois que tu ne sais pas comment agir là-dessus. Et l'enfant, par exemple, qui pousse simplement jouer baby-foot. Baby-foot, ça coûte de l'argent, vous voyez. Et puis, l'enfant tourne en rond. Il va là-bas, il revient. Il vient de guetter la pièce. Et puis, il tombe sur une première pièce de 50 francs ou de 100 francs qu'il prend et il va jouer baby-foot. En fait, il ne sait pas qui fait quelque chose. Il ne sait pas forcément qui fait quelque chose de grave. Mm. Là, on va prendre le téléspectateur. Bonjour. Bonjour, oui. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Le syndicat. Nous portons à merveille. Et Zakia, bonjour. Oui, éminente membre du syndicat. Je suis là. Comment allez-vous, madame? Ça va. Très bien, ça fait plaisir de vous avoir. Et je profite par votre canal pour présenter sincères condoléances à Wahab. On lui transmettra. C'est trop dur, mais on n'a pas le choix. Oui. C'est l'ordre normal des choses. Vous avez été enfant? Pardon? Vous avez été enfant, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Oui, oui. D'accord. Oui. Combien de fois avez-vous volé vos parents? Ça, je ne peux pas vous le mentir, mais je l'ai fait. Elles on peut même compter. On ne peut pas compter. Ça a été fait. Mais le problème est que voler quand on est enfant, il faudrait qu'on suive ça un peu. On dit vol. Le vol, c'est du vol. Le vol, c'est du vol. Mais les enfants, tout enfant, si tu es enfant, tu n'as pas fait ça, comme l'a dit mon cher ami, si tu n'as pas fait ça, donc tu n'es pas un enfant normal. Mmh. Mais l'enfant, quand il le fait, il faut lui refuser ça. Il faut lui refuser ça. Il ne faut pas le taper jusqu'à... Peut-être celui qui a tapé un enfant comme ça, peut-être que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième que l'enfant lui a fait. Mm. Peut-être que l'enfant, tout le temps là, partout où il va, il doit apprendre quelque chose de quelqu'un. Et c'est difficile de sortir avec lui. Voilà. Quand on vous invite quelque part, vous êtes obligé de le laisser à la maison. Voilà. Même si tu le laisses à la maison, il doit chercher quelque chose de prendre. Mm. Si c'est ça, c'est très mauvais. Est-ce que ce n'est pas que ça le gratte dans les mains? Peut-être qu'il veut grandir avec ça. Il faut prendre ça en même temps. Mmh. Maintenant, il y a des petits trucs qu'ils prennent. Un peu de chicotte à la maison pour corriger. Peut-être c'est pour aller prendre viande, couper un tout petit peu. Viande que tu as fait là, couper un tout petit peu. Pour vous déposer. De petits trucs, ils le font. Il faut corriger ça. Très tôt. Très tôt. Donc, il ne faudrait pas. Du vol, c'est du vol. Mais les enfants, bon, ça arrive, c'est des trucs qu'ils font. Mais on doit essayer de prendre ça chez eux pour qu'ils ne grandissent pas avec. Parce qu'un enfant qui fait ça, en grandissant, il faut le suivre. Comment il va continuer ça?
Si je veux devenir grand voleur demain, on le fait. Devenir un grand voleur. Et aucun parent ne souhaiterait que son enfant devienne un grand voleur, aucunement. Bon, oui, aucun enfant ne deviendra. Amen. Oui, on l'espère. Il faut commencer à prendre ça très tôt. Merci, Madame de Souvi. Très bonne journée du vendredi à vous. Oui, oui, allez, oui, oui, juste intervenir sur deux petits points. C'est d'abord l'attention des parents qui est requise. Est-ce que le parent sait que son enfant joue des tours? Moi, je préfère parler de tours plutôt que de dire voler. À partir de quand est-ce que... Tout, ça, c'est à la maison. Jouer des tours à la maison. Mais dehors, c'est quoi? Oui, on va, vous allez continuer. On va prendre le téléspectateur. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Elle est partie. Allez-y, Herman. Dans une sorte de pauvreté relative, on ne peut pas considérer que son enfant lui vole dès lors que le garçon prend 100 francs, 100 francs. Oui. Ailleurs, c'est à partir de 10 000 francs que le parent va considérer que l'enfant le vole. Ailleurs encore, c'est quand l'enfant aurait volé 500 000 francs que le parent va se dire « Ah, mon enfant me vole ». Donc, je pense que il faut évoluer par gradation. Maintenant, c'est relatif. Oui, c'est relatif. Nous avons nos réalités endogènes. On dit chez nous, à Djaka, sort en canto et doigt. Parce qu'on estime, il y a un avis général qui dit que quand vous laissez le cordon ombilical de l'enfant être volé par une souris et tout, l'enfant est prédisposé au vol. Est-ce que D'accord. On va prendre le téléspectateur. Bonjour, bonjour. Monsieur Adaléga. Bonjour. Herman. Allô? Oui. Omo, bonjour. Monsieur Adaléga. Bonjour, oui. Bonjour, Omo. Comment allez-vous? Bonjour, le plateau. Oui, bonjour. Au revoir. Oui, je suis Herman Metton. J'appelle de Védoco. Oui. Vous êtes en direct. Allô? Je vais très bien. Et c'est par rapport au sujet du jour. Oui. Merci. Vous avez votre poste téléviseur moi, allumé. Je dirais que vol, c'est vol. Mais il y a un type de vol que nous oublions. Oui. Fromage. Et en zéla. Puisque ça nage souvent. Et en tchon maman bord. Et ils ont tout. Et nous, nous sommes même pas mais et un bon goût de voix. Alors, il n'a plus Wavy. Est-ce que c'est un vol? Bien, elle a fait Yahoo. Bon, bon. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Seulement que, parfois, lorsque l'enfant pose ce genre d'acte, on se demande, t'es qu'à arrêter. La popote, vous donnez l'argent, petit déjeuner, vous êtes aux petits soins, très attentionné pour les enfants. Mais parfois, il pose ce genre d'acte, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque vous êtes une personne d'un certain niveau, d'une certaine classe sociale, d'un rang social, et que votre enfant, vous venez à la maison, votre épouse vous dit, mais tu sais ce que tel a fait à l'école aujourd'hui, c'est que ça énerve, quoi. Et c'est votre enfant qui va poser ce tac-là à l'école, se dit, mais mon enfant, c'est tout comme si il ne bénéficie pas de toute l'attention qu'il faut à la maison. Et comme l'a dit Nagui, peut-être dans la tête de l'enfant, en prenant le bic, en prenant la règle, c'est pas qu'il vole. Peut-être qu'il a juste pris ça pour ramener ça après. Mais l'autre va dire, et fin, règle t'es. Oui. Et peut-être arriver à la maison, lorsque l'enfant va se plaindre à son papa ou à sa maman, les deux vont venir chez vous dire, ah, c'est votre enfant a pris la règle de mon enfant. Hein. Vous voyez un peu. Et ce qu'on oublie aussi, il y a ce vol-là qui est régulier. Le livre qui est à 1500, on dit, ah, le professeur a dit j'ai acheté un livre, hein, le professeur dit 1500, l'enfant vient à la maison, il dit que c'est 2000. Oui, c'est vrai. On demande fait pour aussi, la photocopie, hein. Il vient à la maison, il dit, mais c'est 500, on a demandé pour la photocopie. Hein. Donc c'est ajouté au fait de déplacement. Que les enfants, moi, je me demande, ça aussi, c'est, lorsque l'enfant demande 2000 ou 2500 pour un livre, c'est du vol bien, c'est du détournement. Je ne sais pas quel qualificatif donner à ce tac-là. Et les parents sont régulièrement victimes de ça.
Et lorsque vous êtes à l'extérieur, vous dites la contribution fait 400 000. Oui. Si vous n'avez pas la possibilité de vous renseigner, l'emprunt prend 400 000 et il remet 200 000 francs. Le reste, c'est pour faire autre chose avec. Mais je pense que nous devons suffisamment les conseiller et demander aussi aux apprenants, aux professeurs, aux directeurs d'école fondée là, de sévir avec les enfants parce que tout commence dès le bas âge. Oui. Je dis, comment dire, mes condoléances à Wahab et bonne fête des pères à tous les papas qui sont régulièrement victimes de vol. Merci de rappeler qu'il y a fête des pères qui vient à nos chères dames. Merci pour ça. Merci beaucoup. Oui, on poursuit avec oui, vous. Oui, je mets dans tout ce que Herman Metton a cité comme exemple, c'est l'attention des parents qui est requise encore là à ce niveau parce que quand vous êtes un parent attentif, l'enfant qui vous dit on doit faire photocopie, qui vous réclame 1500 francs, il suffit de. Ou l'enfant qui prend dans la même allée trois fois la contribution. Quand vous êtes attentif, vos parents, vous devez le savoir. Malheureusement, il se fait que les trains-trains de la vie font que les parents ne sont pas trop attentifs à ces petits gestes-là. Ailleurs, l'enfant qui allait prendre le poisson dans la sauce, on dira que c'est parce qu'il a fait qu'il s'est servi, il a mangé. Ailleurs, on dira que l'enfant a volé. Je pense que ça dépend, comme je l'ai dit. On va permettre à la personne, le téléspectateur qui est en ligne, de réagir. Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Un petit souci hein, avec le retour ce matin. Oui, Ali Moumouni, allez-y. Moi, ce que je voudrais aussi souligner, c'est par rapport à tout ce que nous disions depuis le matin et aussi la proposition de Herman Metton et de Herman Anyambosso. Moi, je ne comprends pas comment déjà, moi, depuis que j'allais à l'école jusqu'à ce que vous soyez ici. Non, pas ici. Ah, jusqu'à ce que j'atteigne un certain niveau où j'ai décidé personnellement de prendre tout ce qui concerne mon éducation, scolarité et tout ça en charge. On m'a jamais remis la contribution de payer. Je ne sais même pas comment ça se paye. Tout ce que je sais, c'est que je vais à l'école et puis je reviens à la maison. Ça s'arrête là. Contribution, le directeur ne m'interpelle jamais parce qu'on ne peut pas venir à l'école discuter avec le directeur. On ne vous a jamais responsabilisé. Non, on ne me remet pas ça. Mais je sais que déjà, à partir de la classe de seconde, moi, j'ai pris la responsabilité personnellement de prendre en charge mes scolarités parce qu'on avait des petits jobs qu'on faisait pour gagner de l'argent. Donc, je ne comprends pas comment déjà, à partir de même de la classe de seconde, on peut remettre la contribution à un enfant d'aller payer. Non, des parents même peuvent déjà s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Maintenant, par rapport à l'attention qu'il faut pour l'enfant à la maison, il y a aussi parfois dans l'impression qu'on écoute l'enfant, qu'on lui prête attention, qu'on écoute tout ce qu'il dit, mais il y a des choses qu'on n'écoute pas. Par exemple, il y a un enfant par exemple, qui a peur par exemple, de dire « Papa, je veux jouer à du baby-foot ». Pourtant, ça le plaît, le moment de jouer à des foot. Il manque déjà une ouverture d'esprit à ce niveau-là. Permettre à l'enfant de. Surtout pour notre cas, quand on quittait Vaudier pour aller à Sainte-Rita, il y avait baby foot à l'étoile rouge. À l'étoile, oui, et donc, des fois, quand on n'a pas couru, il fallait revenir par là. Ou jouer un peu baby foot. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Emmanuel, allez, son promotionnel. Attendez, on va recevoir la dame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Adondéjan. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour. À la grande dame sur le plateau. Saint-Tiche. Je réponds au nom de Saint-Tiche Quimbon. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un enfant qui touche à tout, c'est-à-dire à tout ce qui ne lui appartient pas? Ah oui, on connaît très bien. Et je suis encore intéressée ce matin parce que moi, personnellement, je ne suis pas assez grande. Je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas 40 ans. Mais vous avez un âge quand même. C'est des trucs qui me font tellement mal. Surtout le vol, ça me fait mal. Vous voulez nous dire quoi? Que vous n'avez jamais touché à quelque chose appartenant à vos parents? Non, si. Ah, jamais fait. Alors, voilà, c'est vraiment ce qu'on attendait. Monsieur Metton a dit tout à l'heure... Non, mais pas voler de la viande dans la sauce, mais je prenais les... C'était le sport favori de quelqu'un ici. Hein. C'est quand il y a du fromage dedans. C'est une expertise. Ouvrir la casserole et fermer sans bruit. C'est de là. Et on y va avec beaucoup de délicatesse. Comment ça devient récurrent, ça énerve. Quand tu as un enfant, tout le temps, il vole ses sous, tout le temps. Il vole de la viande dans la sauce, du poisson, alors qu'il est rassasié. Tu ne comprends pas comment est-ce qu'un enfant rassasié peut arriver à faire tout ça là. Ça énerve. C'est un trouble de comportement. Et je veux que
que vous me répondez ou bien que des téléspectateurs répondent. Oui. Comment est-ce qu'il faut réagir quand un enfant vole ses parents? C'est pas les petits vols dont on parle là. Oui. Quand ils volent les 50 000, les 100 000 pour aller s'acheter un portable, ou parce qu'il a vu à l'école ses amis ont des portables alors que papa est rigoureux à la maison, il ne veut pas que tu aies un portable avant le bac. Mais lui, il va chercher l'argent de son père dans son armoire, là où il est caché, pour aller se prendre son portable. Le double de la clé. Est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'il faut le taper? Est-ce qu'il faut parler? On a parlé. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut l'emmener au poste de police pour qu'on l'écoute? Juste là. Oui, ce sont des questions qu'on se pose. Que faut-il faire? Et maintenant, les femmes voleurs, on en parle. Oui. Ça quitte de « je vole les 100 francs de maman ». Et quand elle rentre dans le foyer ou quand elle rencontre un homme, c'est aller couper l'argent dans la poche du dernier. Voilà. Non, le vol, quoi. À ce point-là. Elle est dépassée. Moi, c'est tout ce que je veux savoir ce matin, chers amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Vous dites de ne pas taper quelqu'un pour enfant, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux? Merci à Chacun donnera la réponse à votre interrogation tout à l'heure, Madame Quimpon. Merci beaucoup. Restez toujours à l'écoute. Oui, on poursuit avec vous. Quand on en arrive à ce niveau-là, oui, où l'enfant voit déjà 50 000, 100 000 pour aller acheter portable, pour acheter l'air, c'est que il monte en grade. Le problème est devenu sérieux. Mais je suis entièrement d'accord avec Herman. Quand vous dites ça, je m'inquiète. Oui, oui. Est-ce que moi qui suis ici maintenant, l'enfant peut me voler ses cantons? Il faut l'avoir. À ce niveau-là, c'est déjà sérieux. Mais en réalité, là où je suis d'accord avec Herman, c'est que c'est toujours plus facile de gérer quand c'est au début ou même avant. Et en fait, les parents africains, il faut qu'on change cet aspect-là de qui est dans notre éducation, c'est que on a l'ascension très facile. Oui, ou on crie sur l'enfant. On a de l'ascension très facile. C'est-à-dire que c'est le réflexe de la sanction. Oui. Et le parent africain ne se remet jamais en cause. Ça, oui. Qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour en arriver là? D'abord, c'est très important. Oui. L'enfant qui n'a pas l'écoute de ses parents se recroqueville sur lui-même et cherche à régler ses problèmes par lui-même. Oui, et il va ailleurs. Oui, ça fait partie, par exemple, des situations dans lesquelles le vol commence chez l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant, quand il se retrouve, si vous donnez l'occasion à vos enfants de discuter, quand il a besoin de discuter, il viendra vous dire: maman, je veux acheter un biscuit. Si l'enfant n'a pas la possibilité de dire à sa maman, je veux biscuit, il va chercher à régler ses problèmes. Oui, vous allez poursuivre. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Boko. Madame Boko. Oui. Vous nous appelez d'où? Allô? Madame Boko. Oui. Oui, vous nous recevez? Oui, c'est bon. D'accord. Vous allez muter le son de votre poste téléviseur. Là, vous nous entendrez directement parce qu'il y a un petit décalage souvent. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Parakou. Ah, de Parakou. D'accord. On vous écoute. Oui. Le sujet du jour est très difficile. Enfant voleur, comment réagir à ce comportement? Oui. Et je me suis de tout près, je crois, 25 minutes. Vous pouvez aussi un peu le ton, on ne vous reçoit pas bien. D'accord. Oui. Bon, j'ai suivi un peu. Je suis d'avis avec tout le plateau de vol, comme l'a dit Zakia, le vol c'est le vol. Oui. Le vol c'est le vol. Depuis la maison. Parce que l'enfant, dès qu'il grandit, ne grandit pas dans la société d'abord. Il grandit en famille. Développe sa personnalité, je crois, en famille. Alors, tout ce que l'enfant voit dans la maison, il se dit, c'est pour mes parents. Et il commence pas à prendre ça comme il le veut. Il y a des choses même, on lui dit, c'est pour toi. Donc, il se dit, c'est pour moi, je peux en faire ce que je veux. Alors, il prend ça. Au départ, pour lui, c'est pas du vol.
Mais il prend, comme l'a dit, je crois, Nadine, non, il prend et il peut distribuer. Votre enfant peut commencer par distribuer des choses déjà dans la maison à ses amis pour montrer que oui, chez moi ça va, on est à l'aise, j'ai ci, j'ai ça. Et puis, c'est pas une revue aux parents de lui dire d'abord, lorsque tu prends quelque chose à la maison, sans nous avertir, on appelle ça du vol. Ça, c'est pas un bon acte. Et à partir de là, déjà, l'enfant, c'est le moment de lui dire, dans la société, dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu prends mon argent, même si tu as fait, tu le prends, sans rien me dire, c'est du vol. Si tu prends un morceau de viande, sans me le dire, c'est du vol. Petit à petit, comme ça, en grandissant, on peut lui permettre ces choses-là. Quand il grandit, il comprend que non, ici c'est chez moi, je peux manger ce que je veux. Là, il a déjà une maturité. Il ne peut plus le faire dehors. Mais dès le bas âge, on doit lui démontrer que tout ce que tu prends, qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Il ramène une règle, comme l'a dit Tatia, il ramène une règle. Un pic de la maison ou de l'école, on lui dit c'est du vol, va retirer. Parfois, il faut le suivre. Parce que quand on commence à lui dire c'est du vol, il a peut-être honte et il ne le fera pas. Alors, il faudra le suivre et l'aider à remettre cela. Et chaque fois, le conseiller, lui parler. D'accord. À un certain niveau, on peut commencer par le taper. Parce que quand on dit trop, c'est vrai, on parle de châtiment corporel interdit. Nous sommes en Afrique. Et quelque part, quand on parle du vol, lorsque vous amenez l'enfant, le voleur au commissariat, il n'y a pas de châtiment corporel là-bas et on tape correctement le voleur là-bas. Alors, donc, à partir de la maison déjà, on peut commencer par le sanctionner fortement, prendre la chicotte ou bien nous retirer des choses par ce qu'il aurait volé. Nous montrer que le vol, c'est une mauvaise chose. Alors, quelqu'un, je crois, une dame a dit, son enfant vole 50 000, 100 000, prendre la scolarité carrément, là, c'est déjà à un niveau donné. Et si ça se passe à la maison, si vous voyez que vous êtes impuissant, parce que parfois ça fait mal en tant que parent, et on n'arrive pas à punir, alors il faut faire recours là, à d'autres membres de la famille, ou bien carrément, parfois, aller au commissariat, lui montrer que quand on vole, c'est là-bas on va. À ton âge, lorsque tu es mature, un enfant âgé, un agent de 15 ans, et encore un ado, ça peut, on peut classer ça dans les troubles, comme le dit, je crois, Nadine Bouhéman, dans les troubles de l'adolescence, de la puberté. Mais lorsque l'enfant dépasse les bornes, il faut faire intervenir parfois le commissaire. Il y en a qui le font, hein, et c'est l'enfant passe une journée en garde à vue, on l'isole. C'est pas qu'on le mélange avec les voleurs qui vont lui donner encore d'autres formations. On négocie carrément avec le commissaire et on l'isole un peu pour lui montrer que quand on vole, c'est pas bien. D'accord. Voilà là où tu peux dans la maison. Voilà un peu ça de petits super. On peut utiliser avec les enfants. Je pense que Mme Saint-Tiche Kempon est à l'écoute et qu'elle vous a suivi. Je rappelle que vous êtes enseignante. Oui, je suis professeure de français. Dans quel quartier de Parakou? Zongo. Ah, Zongo, d'accord, ça vient. C'est les Zongolais ou les Zongolois? Les Zongolois. Merci beaucoup, Madame Boucon. On va permettre à Ali de se prononcer. Vous allez réagir. Oui, je veux qu'elle tout de suite. Bien souvent, c'est les moments qui sont. Oui, qui c'est sont, celles qui vivent tout ça. Nous, les pères, quand on rentre, avec le regard déjà. Et souvent, tu as volé. C'est difficile d'arriver à soutirer les sous des papas et les papas. Moi, je veux faire juste une analyse un peu globale de la situation. Parce que je dis souvent, il ne faut pas attendre que l'enfant commence par voler avant de lui faire comprendre en fait ce qu'il faut. Nous, quand on était enfant, on ne nous disait même pas le mot voler. Ce qu'on nous faisait comprendre à la maison, c'est que quand tu as besoin de quelque chose, tu viens nous dire et on te donne. Maintenant, quand tu trouves quelque chose qui est personnel à la maison et que tu veux prendre, tu prends. Mais quand on revient, dis-nous, j'ai pris telle chose et puis j'en ai fait telle chose. Donc, voilà les bases, les consignes que nous on reçoit régulièrement. Avant même, tous les jours, avant que maman ne sorte, c'est que vous avez ces consignes-là régulièrement. C'est régulier, c'est répétitif. Quoi, en fait. À chaque fois, on vous dit... En fait, ça, c'est comme, voilà, vous devez mémoriser ça, en fait. Donc, à chaque fois, on a de ces genres de conseils. Maintenant, il y a aussi par rapport aux besoins des enfants. Comme il y a une tristatrice qui parlait tout à l'heure d'un enfant qui n'a pas de téléphone.
Alors que nous sommes à une époque où pratiquement même les enfants de 10 ans ont un téléphone. Et on était dit à cet enfant de ne pas avoir de téléphone. Moi, je prends mon cas. Nous, quand on était jeunes, tous les enfants pratiquement dans le quartier prenaient 50 francs comme petit déjeuner, tout ça. Mais nous, on avait 250. Pourtant, on était les plus pauvres du quartier, si on peut le dire de cette façon. Parce que les parents ne voulaient pas, en fait, qu'on voit quelque chose, c'est un autre enfant qui va nous plaire. Donc, nous, on avait tout à notre disposition. Donc, ils faisaient tout pour qu'on ait tout, en fait. Pour on, qu'on fait tout de, on fait tout aux pour enfants, qu'on, même qu'on dans manque, les familles aisées. Manque, oui, malheureusement, c'est de ce côté-là même que, oui, que, voilà, que les enfants développent. Que, voilà. De ces genres de comportement, oui. Pour qu'on ne manque de rien. Donc, on fait en fait tout pour mettre des enfants dans des situations confortables. Maintenant, quand Christian parle des familles confortables, je crois que là aussi, il y a le manque de communication. Parfois, les parents qui sont souvent occupés à travailler, maman va au boulot, l'autre va au boulot, et c'est peut-être la nounou qui s'occupe de l'enfant. Bon, voilà, comment vous voulez que cet enfant-là puisse être beau? Je pense que vous allez finir. Vous allez finir, allez-y rapidement. Allez-y. Et pour finir, je voudrais revenir à ce que Naguib disait tout à l'heure par rapport aux parents qui ne se remettent pas en cause. Moi, j'avais par exemple un neveu, on vivait dans la même maison, et puis ce neveu, il avait développé ses comportements où il prenait de petits trucs. Mais dans la maison, il m'appréciait beaucoup plus moi. Donc, il voulait chaque fois venir dans ma chambre. Donc, c'était en fait, une sorte de négociation ou bien d'échange. Je lui ai dit, ce que tu fais, ces petits comportements que tu fais, tu sais que ça me fait mal. Si tu viens dans ma chambre, tu cesses de faire ça et tu seras dans ma chambre régulièrement. Et il commence par cesser parce qu'il vient dans ma chambre régulièrement regarder le PC. Un téléspectateur qui est très impatient. Allô? Au bout du fil. Bonjour. Allô. Allô, bonjour monsieur. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, vous êtes en direct. Allô? Oui. Allô? Vous êtes en direct. Vous pouvez couper le... Allô? Vous nous recevez? Ah, il y a un peu de bruit autour de vous. Allô? On vous reçoit. Un petit souci, un petit souci de réception ce matin. Oui, allez-y, Zakat. Comme on le disait tout à l'heure, vol c'est vol, il n'y a pas petit vol. Et le petit voleur d'aujourd'hui risque de devenir le grand voleur de demain. Donc, une fois encore, c'est aux parents de rester véritablement attentifs. On va voir si le téléspectateur... Allô, vous nous recevez? Oui. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Richenot depuis Libreville. Ah, d'accord. Ah, merci d'être toujours à l'écoute de Canal 3 Bénin. Vous êtes en direct. On vous reçoit. Oui. D'abord... Je vous ai dit que je suis contre l'angle, l'approche du problème de M. Anyanboso. Parce que il prend ça comme un amusement, le vol des enfants. Et il dit même que si l'enfant ne vole pas, les parents devraient s'en inquiéter. Moi, je trouve que cette approche-là n'est pas bonne. Parce que l'enfant, il vole, et qu'on l'espère, qu'on dit que bon, c'est comme s'il était de gaminerie, ben, il pourra continuer à voler quand il va devenir adulte. Hein, et voilà comment vous aurez un voleur dans la maison. Donc, ils font cette approche-là. Cela étant, bon, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, une étude d'une université suisse qui a démontré que l'éducation occidentale que nous adoptons en Afrique amène à fabriquer l'enfant roi. Et l'enfant roi devient un adolescent dépourvu, un adolescent à problème, un adolescent qui pense que tout lui est dû, ainsi de suite, et finalement, un adulte va faire. Donc, faisons attention à cette situation que nous vivons, que les droits de l'enfant, et il n'y a aucune punition pour l'enfant, et on doit garder un enfant à la maison comme si c'était un adulte, et on fabrique l'enfant roi, un adolescent dépressif et un adulte raté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, oui, justement, je voulais quand même vous emmener à réagir à la question qui est posée ce matin. Lorsqu'on est en face d'un enfant qui vole, comment est-ce qu'il faut gérer son cas? Est-ce qu'il faut le conseiller, le taper, l'emmener au commissariat ou même l'emmener chez nos parents qui sont dans les villages, les féticheurs, pour lui ôter le mauvais sort? Non. Mon approche
Mon approche, c'est l'approche de tout parent africain, c'est-à-dire que si l'enfant vole, j'avais premier temps le crime. Bon, on peut, s'il est encore un peu trop jeune, le faire par la parole et par le conseil. Mais si ça se répète, ça, il faut le punir. Il faut le punir sévèrement. C'est ça. Et nous avons tous volé. Ils ont dit, moi, j'ai volé. J'ai volé quand j'étais enfant. Mais j'ai volé. Ils ont dit, bon, ben, on m'a puni. Et une ou deux fois, quand on m'a puni, une ou deux fois, quoi. Mais j'ai compris qu'il ne faut plus voler. C'est ça. Et j'ai arrêté de voler. Okay. Donc, mon approche est telle que il faut, premièrement, parler à l'enfant. Et si jamais ça se répète, il faut le punir. Et il faut lui enlever cette envie de voler. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Wikianoué. Très bonne journée du côté de Libreville. Mon regret ce matin, c'est que... Ah non, attendez, elle n'a pas fini. Allez-y. Alors, très rapidement, oui. Ce que je disais, c'est que si on ne fait pas attention, le petit voleur d'aujourd'hui risque de devenir le grand voleur de demain. Mmh. Donc, une fois encore, c'est aux parents de rester très attentifs. Et quand je dis rester attentif, c'est les petits comportements, déplacer un petit billet, prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Il faut que les parents puissent constater ces choses-là très tôt et commencer même à parler avec l'enfant, à attirer son attention sur ce que ça ne vous appartient pas, vous ne devez pas prendre ça. Quand ça passe l'étape même où dans la discussion, on n'arrive pas à régler ce problème là chez l'enfant et que ça continue, il faut également passer à des étapes supérieures. Moi, j'ai déjà vu des parents amener les enfants au commissariat, demander qu'on les tape sérieusement pour les amener à comprendre et à prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Est-ce que c'est pas la fréquentation aussi qui... c'est ça. Quand on parle de l'attention des parents, quand vous êtes attentif, vous savez quelle catégorie d'enfants, quelle catégorie de fréquentation votre enfant a. Et quand il y a des parents qui autorisent, par exemple, les visites à la maison, et quand il y a ces visites-là, les parents sont là, ils prennent le temps de regarder les amis qui viennent et ils arrivent à savoir un peu, ils suivent les discussions et tout ça parce que les fréquentations, les amis, l'école, l'environnement agit d'une manière ou d'une autre sur les enfants. Et vous avez beau donner la bonne éducation à votre enfant à la maison, mais il faut savoir qu'il y a l'influence du dehors qui accompagne aussi. Donc vraiment, c'est une présence très importante des parents qui très tôt peuvent arriver à déceler de ces comportements-là qui ne se passent pas bien et qui pourront corriger au fur et à mesure. J'espère. Mais il y a des fois où vraiment l'ascension doit monter. Quoi. Oui. Quand, par exemple, l'enfant revient à la maison avec un téléphone, alors que, bon, il n'a pas de source de revenus, il n'y a absolument rien pour lui permettre d'acheter cela. Et ce n'est pas parce que vous mettez également tout à la disposition de l'enfant qu'il ne va pas désirer autre chose non plus. Donc, il faut rester attentif. Oui, on va prendre le dernier téléspectateur. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur Tain Daniel du Carrefour. Je suis Carrefour la mort. Je suis revenu à Cotonou. Ah, vous êtes revenu de Covey. Oui, je suis. Vous arrivé. Étiez à Covey. Bon, retour à Cotonou. Est-ce que vous nous avez ramené du Agonimi? Je suis arrivé pour un petit temps là pour retourner. Vous nous avez ramené du Agonimi? Je compatis aux douleurs de Wahab. Monsieur Wahab, oui. C'est-à-dire, c'est tout le plateau qui est en deuil. Mes condoléances les plus adressées. Oui, merci. Bon, maintenant, revenons à notre sujet. Vous voyez, Nadine, Eman, Christian, plus Zakiat, sans oublier Christian. Ali. Vraiment, je vous jure, histoire de vol en enfance, c'est tout le monde qui avait fait ça. Bon, il faut que nous revenions aux habitudes anciennes. Moi, je me rappelais, on me disait, notre maman disait que ce n'est pas celui qui a mis l'enfant au monde, c'est lui seul qui éduque l'enfant. Oui. L'environnement éduqué. Est-ce que vous voyez? Et pendant ce temps, lorsque nous, on était petits, on commençait à déplacer les 5 francs, c'était même pas 10 francs, les 5 francs, les 2 francs, parce que je suis un peu âgé. Pendant ce temps, c'est que notre grand-maman, nous avons été éduqués par notre grand-maman. La grand-maman, on te met, quand on constate que c'est toi qui as pris, ou bien on voit dans ton sac, quand tu vas à l'école, un surplus de sous dans ton sac. Parce que tout était mis à notre disposition. On a de l'argent un peu partout, par terre. Parce que c'est des commerçants, elles vendaient bien proprement. Donc si on voit un de plus,
ton agent de déjeuner, le mercredi soir, tu viens à la maison, on te met en rue, et puis on rassemble les enfants de la rue, sur toi. Et on va crier, on va taper sur toi. Oh, il a volé, oh voleur, tout ça là, on va dire ça sur toi. Et maintenant, et quand on te fait ça une, deux fois, toi-même, tu es obligé de rentrer dans tes coquilles. Maintenant, moi, j'aimerais demander aux parents qui ont fait cas là, chez eux, de ne pas dire qu'ils vont châtier, ils vont frapper les enfants, non. Ça là, c'est déjà récurrent. On a déjà refusé tout ça là. On a réprimé, on a dit que l'enfant n'a pas, on n'a pas droit à châtier les enfants corporellement. On n'a pas le droit de faire ça. Quand l'enfant fait ça, il doit avoir nécessairement un parent influent dans la famille. Et quand il fait ça, on va lui dire, pour lui faire peur, on va lui dire, ah, faut pas tenter, faut plus tenter. Si tu fais ça, je vais t'amener chez tel parent. Parce que dans toutes les familles, vous allez voir qu'il y a certainement un parent qui est là, qui oui. a influence sur les enfants. Mmh. Et quand on commence à leur dire ça, ils vont revenir en eux. C'est ça. Et j'ai encore une petite histoire. Nous, notre papa, en temps, il avait amené une maîtresse à la maison. C'est la maîtresse qui a pris les 5000 francs. 5000 francs pendant le temps. Ça fait déjà près de 30 ans, 35 ans même. Mmh. Et c'est la maîtresse qui a pris les 5000 francs. Notre papa nous a amenés au commissariat central là. Nous sommes quatre enfants. Il nous a amenés avec notre soeur tout. Il nous a amenés là. Il a donné instruction aux agents de police. Ils nous ont proprement tapé, proprement. C'est après que la dame, c'était une chanteuse, hein, une artiste. Okay, oui, qui a pris les 5000 francs. Maintenant, après, la dame a dit que non, que c'est elle qui avait pris l'argent. Et vraiment, depuis ce temps, personne dans la maison n'arrive à toucher rien dans la maison, comme si c'est quelque chose qui ne lui appartient pas. Le commissariat, vous avez fait du bien, alors. Donc, il n'y a pas question de châtier corporellement les enfants pour ça. On les amène à raison, on les conseille, on les donne. Puisque, effectivement, un petit voleur devient un grand voleur. Merci. Bonne journée à vous. Monsieur Daniel Ewanion, merci beaucoup. Je ne partage pas cette maxime-là. Et je pense parce que ça sera le dernier tour de table. Nous avons presque tous été, peut-être de petits... Nous, gardez tous, ne laissez pas, ne dites pas presque. Bon, on a dit, le petit voleur d'aujourd'hui peut devenir le grand voleur de demain. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'il devient. Oui, en fait, beaucoup ont dit le petit voleur deviendra un grand voleur. Non, il vaut mieux dire peut devenir. Et la probabilité est fort. On a connu des petits voleurs qui sont devenus de champions voleurs. Bon, ça arrive. En fait, le voleur, je dis, c'est la société qui le bâtit. Personne n'est voleur, c'est la société qui fait le voleur. Et moi je dis, c'est-à-dire qu'on a tendance à rejeter, on n'a pas tendance souvent. Bien sûr, oui. Quand certains disent que tu voles depuis le ventre de ta mère. Donc, la preuve de Herman consistait à dire, il y a un moment, il y a un niveau où la situation n'est pas grave, parce que ça permet en réalité aux parents d'identifier ce comportement-là chez l'enfant et d'appliquer réagir. Merci de savoir quelle réaction il faut avoir face à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne faut pas s'alarmer. Mais si le parent n'est pas attentif, voilà pourquoi on parle. Justement, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que les parents ne se remettent jamais en cause. Le parent qui n'est pas attentif, il va dire mon enfant vole. Il va dire mon enfant vole. S'il n'a pas remarqué qu'il n'a pas su réagir à temps, c'est la faute à l'enfant ou c'est sa faute à lui, le parent? Et c'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il faut que nous-mêmes, on puisse se remettre en cause pour dire mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Ça, parce qu'il faut identifier le problème. Il faut savoir où est-ce que le problème a quitté et savoir comment résoudre le problème. Tous les enfants ne volent pas pour la même raison. Et quand on dit également un vol, c'est un vol. Tous les vols ne sont pas vols. Moi, mon regret ce matin a été que peut-être le spécialiste que Christian a négocié n'est pas pu se rendre disponible. C'est ça. On vous aurait dit qu'à 6 ans, entre 6 ans et 7 ans, il n'y a pas de vol. Jusqu'à 7 ans, il n'y a pas de vol. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à 7 ans, parce que l'enfant ne sait pas distinguer le bien du mal. Ce qu'il le fait naturellement et spontanément. Donc, il n'y a pas de vol jusqu'à 7 ans. Donc, un enfant, par exemple, de 5 ans, de 6 ans,
qui pique des choses, ils ne volent pas. Ce n'est pas un vol. Donc, tous les vols ne sont pas des vols. Il y a des niveaux de gravité. Il y a des moments en réalité. Parce que le mauvais, c'est quand l'enfant faute. Mais et après 7 ans, après 7 ans, à partir du moment où l'enfant prend quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi on appelle 7 ans l'aide de la raison. C'est à partir de 7 ans qu'on peut dire à l'enfant. On peut dire à l'enfant, oui. Là, maintenant, c'est les conseils. Il faut parler. Le bien du mal. Et on peut déjà commencer par l'enfant. Non, mais de toute façon, un enfant de moins de 7 ans, personne ne l'amènera. Non, mais par exemple, un enfant de moins de 7 ans, personne ne l'amènera au commissariat pour demander à ce qu'on le tape parce qu'il a volé. Forcément. Les enfants de 7 ans dans d'autres pays commettent des meurtres et tuent et on les amène. Il y a des prisons pour enfants là-bas. Écoutez, vous avez parlé de meurtres. Là, ce n'est pas vol. Ça n'est pas encore le vol. Non, je suis très simple. C'est vrai que autant que nous sommes ici. Et monsieur Witty nous fait bien de rappeler que lui aussi, il a volé. Moi j'ai volé. J'ai déplacé le sous-dormant. Ce n'est pas fait de moi, rien vous soyez man aujourd'hui, voleur. Ce n'est pas fait de vous non plus, des voleurs attitrés aujourd'hui. D'accord. Et parce que nous l'avons fait, nous savons aujourd'hui lire ces comportements chez nos enfants. L'enfant qui n'a pas volé, qui n'a pas fait des gestes comme ça, quand il va devenir grand et faire des enfants, il ne pourra pas savoir que. Des fois, aujourd'hui, il faut tenter. Tu déposes cette fois là et tu fais semblant d'oublier. Et là, tu viens après, tu dis c'est pas au Mais en bloquant, si vous tombez, le bâtonnet. Donc, c'est ici, l'idée, c'est pas de banaliser quoi que ce soit, mais il faut l'avoir pratiqué pour savoir ce que c'est. Maintenant, il faut, à partir de quel moment l'enfant prend-il conscience du fait qu'il est voleur? C'est ça ce que Naguib disait. Est-ce que l'enfant de 6 ans, de 7 ans, a pris conscience? Et je vous dis un exemple banal. C'est moi-même personnellement. L'enfant est rentré hier. Mon enfant, il a un vélo, il roule dans le quartier. Il est rentré avec un ballon qui a ce diamètre-là. Oui. Et quand il est rentré, un petit ballon. J'ai dit, mais fit à ballon-ci. Il dit qu'il est sorti, qu'il y a un ami à qui il a passé le vélo. L'ami a conduit le vélo. Et que l'ami, en retour, lui a donné le ballon. J'ai dit, ah bon, il t'a donné le ballon. D'abord, tu sais que l'ami en question, est-ce que tu le connaissais? Il dit, non, que c'est l'ami. Je dis, est-ce que tu sais qu'il est parti avec ton vélo? Il dit, ah oui. Je dis, ensuite, le ballon que tu as ramené là, et si le ballon, il avait volé chez quelqu'un, et que le quelqu'un là te retrouve et dit que c'est toi qui as volé ce ballon? Je l'ai laissé, il est parti, il est revenu, il dit, ah papa, si c'est ça, je retourne le ballon à l'ami en question aujourd'hui, si je le vois aujourd'hui. C'est comme ça que moi j'ai appris à éduquer mes enfants. Parce que je l'ai pratiqué aussi. Et donc, à mon bloc, et aucun de côté néant. Et on aussi de néant. Donc, moi, il ne s'agit pas de banaliser. Il s'agit de voir la réalité en face. Des gens ont volé leurs parents. Ils sont devenus de très grands hommes d'affaires. Qui sont même devenus des. Les spécialistes diront que ça fait partie du processus normal de développement de l'enfant. Oui, toujours est-il qu'à un moment donné, il faut rester attentif à un moment, il faut tirer sur la sonnette d'alarme parce que ça peut commencer tout doucement comme ça. Parce qu'on n'a pas réagi comme cela se doit à temps, ça devient quelque chose de très grave. Il y a des maisons dans lesquelles il y a des enfants, ils sont étiquetés comme ça. Et on sait que celui-là a adjoté, donc ce n'est pas bien. Et aucun parent n'aimerait qu'on traite son enfant comme ça. C'est pour ça que quand un enfant veut arracher le jouet de son camarade, il faut lui dire tout, ce n'est pas pour toi. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant ne distingue pas ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Il veut arracher le jouet de son ami et l'autre refuse. Et il commence à crier. Il pleure comme si c'était, ça dit, le jouet lui appartenait. Bien souvent, c'est les femmes-là. C'est la maman qui prête flanc à ce papa, si tu regardes ton visage une, deux fois, tu n'as pas le courage de toucher à son sou. Maman là, on oublie les choses, on fait ci, on fait ça. Mais pourquoi permettre à un enfant de s'approcher de la marmite, de la sauce? Était banni sous un camp. Mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Intellectuellement. D'accord. On vous sent un peu fâché ce matin. Écoutez, qui n'a pas volé à Parakou, Katier, Katier, Alaga, qui n'a pas volé?
Mais attendez. Vous l'avez volé quoi? Mais je... le maradaï. Ah non, le maradaï, c'est du vol. Je vais aller chercher là-bas. Le maradaï, c'est du vol. À Kadi qu'on allait chercher là. Oui. Dans les chaînes de tout là, c'est du vol. Le mangue qu'on allait chercher à Forêt, puis les voyages de Pouzioua là, c'est du vol. Peut-être qu'on vous attend là-bas. On cherchait le voleur d'antan. Et ça vous. Et vous attend là-bas. On a déposé la mamie de haricots au feu. Et qu'on était allé en train de prendre à Kadi là où l'avion a été. L'avion a échoué par la cour. Et que avant de revenir à la maison. Le haricot est cramé totalement là. Et on n'a pas pu dire à notre grand-mère que c'est parce qu'on était allé marauder ou marcher. Que c'est... Mais on a dit que c'est les moutons. Qui ont mangé le haricot. Qui ont mangé le haricot. Non seulement il y a eu vol. Il y a eu également des cas de mensonges. C'est ce que les militaires appellent la tête brûlée. On a regardé fait disparaître et la marmite et le et tout. Et aujourd'hui. Les moutons mangent la marmite. Je m'en fous. Mais c'était le mois ça, mais aujourd'hui tout ça là est fini. Non, ce que vous dites. Si un enfant fait ça aujourd'hui, je lui dirai attention. 82, justement, 82, quand on a eu des expériences, ça nous amène parfois à dire, quand l'enfant pose l'attente, le regard, on dit, mais disons, il veut apprendre à un vieux, il a fait des grimaces. Alors qu'on l'a déjà fait tout ça, donc ça permet facilement que ça. Vous êtes des doyens. Oh non, il n'y a pas classe, c'est à l'heure du manger qu'on doit voir l'enfant à la maison. Donc quand la pâte est prête, tu dois être à la maison. Sinon, on est en train de se promener du matin jusqu'au soir, vous allez jouer au ballon juste. Mais aujourd'hui là, quand ma fille ouvre le portail, Je pratiquement la tête. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Non, en ce moment, il y avait pas 11 millions. Les temps ont changé. Il n'y avait pas 11 millions. Et puis, ce n'est pas à Cotonou. L'enfant peut aller chez le voisin et revenir. Dans le truc. Merci, Yagi. Merci à vous, Zakat Latunji. Il faut beaucoup parler aux enfants. Je pense que c'est ce que... Surtout les femmes. Les hommes. Ce rôle-là, c'est pour les hommes et c'est pour les papas et les mamans à la fin. Non, le faut que tout le monde joue sa partition. D'accord. Merci beaucoup. On va dire un grand merci à M. Kokou Arsène Menewayon, Mme Dossouvi, M. Herman... Mettons, Madame Saint-Tichquimpon, je suis certain que vous avez eu des réponses à vos multiples interrogations ce matin. Madame Bocor qui nous a appelé depuis Parakou, Monsieur Ruitienou qui nous suit tous les jours depuis Libreville, Monsieur Ewanignon, Daniel également, qui est un fidèle téléspectateur qui nous a appelé ce matin. Et ceux-là qui ont appelé et qui malheureusement n'ont pas réussi à avoir la ligne et qui ont eu la ligne, mais qui malheureusement n'ont pas réussi à intervenir à cause... des difficultés de communication. Merci à chacun de vous. Allez, on va faire le point de l'actualité par deux fois. D'abord, avec les caricatures de la semaine, ce sera l'enfant Claudio. Et puis ensuite, la revue de presse, ce sera avec Narcisse Arosset. Vous avez envie de faire connaître vos produits ou services? Vous voulez avoir plus d'opportunités pour faire accroître vos revenus? Vous voulez renforcer votre présence dans l'écosystème béninois? Rejoignez-nous du 16 au 18 juin 2022 à la place Tabira de Parakou pour participer au Salon agricole et financier AgriFinance 2022. Oui, le Salon AgriFinance revient en force cette année avec AgriBiz Booster en partenariat avec SNV Bénin, Plan International Bénin, Tedras ONG et ATDA 4. Programme des expositions, des rencontres B2B, des débats autour des thèmes relatifs au financement, des masterclass sur la communication digitale et les principes de bonne gestion financière. Entrée libre et gratuite. Infoline 97 60 33 30 ou le 53 22 08 53. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif pour contre-attaquer le vol. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous.
Livre son gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre chaque jour des abonnements de 30 mois. Voilà, tous les vendredis, il est avec nous pour nous faire vivre l'actualité autrement. Et c'est bien sûr les caricatures de la semaine qui parlent à travers votre voix. Bonjour à vous, Bonjour Claudio, Christian. Bienvenue. Merci. Oui, on commence par quoi? Alors, on va commencer par ces commerçants-là qui ont décidé de vendre en ligne pour échapper au contrôle. Oui. Puisqu'ils ont, ils ne vendent pas à 1300, mais plutôt à 1500. Et les contrôleurs qui sont arrivés constatent que c'est fermé. Ils disent, mais on va fermer votre boutique pour non-respect du prix fixé de l'huile. Et ça répond de l'intérieur, ne vous gênez pas, on a déjà fermé, on vend ça en ligne. Là, ça va d'ici de fermer cette boutique-là. BEPC 2022, un candidat qui demande à son voisin, tu t'en sors avec les preuves? Et il demande, mais avec la guerre en Ukraine, c'est dû partout. je le comprends. Ça peut affecter aussi le BEPC. BEPC toujours 2022. Et la maman qui en supportait, qui dit, vas-y mon écureuil. C'est écrit sur la pancarte, BEPC un coup KO. Et l'enfant qui dit, maman, appelle-moi Lion King. C'est mieux. Parce que écureuil. Voilà, écureuil là, je n'ai pas vraiment confiance. Le foot au Bénin, ce joueur se demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, ballon, quand Messi te tire, tu vas tout droit. Pour nous là, tu dévies pourquoi? Ouais, c'est une question. Et c'est quel joueur qui parle? Là, il est de quelle équipe? Ou de quel club? Vous savez. Bon, à vous de deviner de quel club il peut être ou bien de quelle équipe. Ça fait suite à la première caricature, caricature de l'enfant qui voulait qu'on s'appelle Lion King. Voilà. Ok. Je veux qu'on comprenne ça indirectement. Bon, là ici, journée de l'enfant africain. Alors l'enfant s'assoit dans le fauteuil de papa et puis il dit, maman, c'est notre journée, tu me fais un rôti. Et la maman qui dit, mais tu es envoûté, je vais te délivrer avec chicotte. Parce que c'est ça les réalités de l'enfant africain. On continue. Des présumés braqueurs foudroyés au Bénin. Et lui, il a décroché la télévision. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est écrit, qui vole dans cette maison sera foudroyé. Alors, il dit, mais des informations comme ça, c'est au portail, il faut mettre ça. Si j'avais vu ça, je n'allais pas jamais entrer au salon. Il avait même bien décroché le poste. Donc, mettez ces informations-là à l'entrée, ils ne vont pas vous déranger. Attaque djihadiste dans une église au Nigeria. Et on voit... Une sœur en Christ. Une sœur en Christ avec une arme à la poitrine. Et puis elle dit, Yesu, c'est pour te protéger. Moi-même aussi, j'ai pour moi. Et Jésus qui lui demande, mais où est ta foi? Bon, la question. On va finir cette caricature. Gestion des fonds COVID. Et il est en train de prendre le pouls. Il dit, aucune anomalie dans les fonds COVID. La caisse se porte bien, pas de risque de faire un AVC. Bon, là, on est tous contents. Justement. Voilà. Oui, vous faites référence donc à la conférence de presse conjointe des ministres la dernière fois. C'est ça. Par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, l'enfant Claudio. On rappelle que les caricatures de l'enfant Claudio sont un résumé en page 10 du journal Fraternité où il est écrit « Humour ». Merci. Voici la revue de presse. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02. 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp
Email canal3benin@yahoo.com. info@canal3television.com. fraternitefm@yahoo.com. fraternews@yahoo.com. Elle doit être un tout petit peu bloquée dans la machine, hein, la revue de presse. Vous ne l'aurez pas à cette heure-ci. Vous l'aurez dans cette matinée sur nos programmes. Merci beaucoup, merci à tous de votre attention. C'est déjà vendredi. Lundi prochain, les candidats au baccalauréat plancheront à tout ce beau monde. Eh bien, nous souhaitons beaucoup de courage, hein, dans la suite des révisions et surtout beaucoup de concentration. Allez, Actu Matin, c'est terminé pour ce vendredi. Bonne fête des pères pour le dimanche prochain. On se retrouve lundi à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.